tes jantes comme ça. Ce qui nous permettrait peut-être d'en avoir deux. Hop. Et je me trompe de toucher. C'est horrible. Juste horrible. Ah, mais pourquoi? Pourquoi je me trompe de touche comme ça? Ça n'a pas de sens. Hop, je reprends, non. Plein et ah j'ai plus assez pour faire un splitter. Ah oui, bah oui, mais parce que j'ai désactivé la livraison automatique. Ouais, c'est vrai, je peux la réactiver quand même. Je peux la réactiver. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Je suis pas sûr. Alors ça, les tuyaux, je vais décaler au-dessus. Voilà, ce qui peut nous permettre d'envisager enfin de faire des trucs bah comme ça en fait hein. Là je remets ce truc là, hop, puis là hop on remet le truc magique qui permet de faire la conversion. De celui-là, sauf que en fait je me retrouve avec le problème inverse qui est ça fabrique pas assez vite ici. C'est des fours en acier, des fours en acier, il faudra passer au four électrique. Les fours électriques ils prennent beaucoup plus de place. Après, on pourrait couper ça en clairement. Ça, plus besoin du tout. Donc ça ne change rien. Alors, peut-être avoir une petite interruption de l'acier du charbon pendant un petit moment, c'est pas grave. Du coup, ça. On peut le décaler là. Ouais, mais en fait, je suis en train de me dire que ce qu'il aurait fallu.
pas copier ça comme ça tout bêtement, mais de mettre des fours électriques. Hop, si je mets comme ça, ça passe. Alors, on va prendre l'option où ça passe. Tac. Hop, 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 et hop. Il va nous falloir aussi toute station électrique. Et du coup, ah, du coup, ça envoie du charbon. On n'a plus besoin du charbon. Donc je pense qu'on mettra un filtre à l'entrée. Ce qui permettra de nous économiser du charbon. Donc, du coup, ceux d'au-dessus. Hop, on fait pareil. Ah oui, parce que du coup, on manque d'électricité. Et ben, on va faire, hop, copier. Oula. Splitter. À gauche, tu vas avoir que le minerai du cuivre qui va passer. Et est-ce qu'on peut avoir un mélangeur? Ah! Non, c'était pas ce que je voulais. Voilà, comme ça. Copier-coller. Voilà. Ah, comme ça au moins. Un peu plus d'activité. Et puis en fait, on peut compléter ensuite par des petits modules de vitesse. Alors, ça consomme beaucoup plus d'électricité. Mais au moins, ça va plus vite. Ah, et puis comme ça, au moins, on en fabrique. De toute façon, au niveau électricité, depuis qu'on a nos deux centrales nucléaires, on n'a plus aucun problème. Et là, donc,
On a ce qu'il faut qui sort. Hop, on va débrancher la logistique personnelle. Pourquoi j'ai autant de cailloux? Non, j'en demande pas les cailloux. Alors ça, on peut enlever comme demande. Ça, on peut enlever. Comme hop. En fait, oui, alors après, bon, j'ai tendance à me promener facilement sur les... sur les endroits où arrivent les cailloux et le charbon, forcément j'en collecte certains, puis on est mal barré. Bon, alors du coup, est-ce que ça suit maintenant? Ah, ça suit beaucoup mieux là, ça suit mieux et ça fait des plaques là, ça bouchonne un peu, c'est parfait. Tac. Donc maintenant, si je retourne en bas, parce que là, de toute façon, ah oui, parce que voilà, il y avait un truc comme ça qui permettait de filtrer deux. Quoique, alors, ça, je pense que c'est un peu utopique. Ah, quoique, quoique, si toi je te bouge et que je te mets là, pardon. Pardon. Ouais. Ouais, voilà, hop, comme ça. Tac. Ah, zut, il me manque un. Et ouais, bon, ok, je remets la logistique personnelle, je la remets. C'est fou, hein, le jeu me dit, et quand même, je te rappelle que tu utilises beaucoup ça, donc bon, pense à ne pas le désactiver, quoi. Tac. Hop, faut 2-3 engrenages. On les prend sur le tapis. Et puis le splitter, il est fait. Ce qui va nous permettre de le mettre juste ici. Hop. Hop. Et hop. Bon, au final, ça change pas grand chose parce que. Parce qu'au final, bon, ça tombe pas aussi vite que je le pensais, mais c'est déjà pas mal. Bon, ça tourne au moins. Pas mal. Hop, là on peut le redésactiver. On en est où? 40%, ça avance. Mais c'est toujours les processeurs qui nous bouchent. C'est toujours les processeurs. Ah, je crois que le 41% est en train de se faire. Hop, encore d'approvisionnement. Ah, c'est bien parce que à droite, on voit le nombre de processeurs qui sont en cours d'arrivage. Alors, on voit qu'on n'a pas beaucoup, quand même. Hop, mais on est à 41%. Tac, ça arrive. Ça arrive au compte-goutte, mais ça arrive toujours. Ça, c'est bon. Après, hop. Alors, le problème, c'est que si je le pique là, après, ça va faire un trou. Après, c'est pour faire des fours. C'est fort électrique, oui. Donc, le four électrique qui vient de là, hein, clairement. Tac. Hop, je peux faire ça, ce qui va nous dépanner en attendant. Et là, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure où ça fabrique, en fait, ils vont se retrouver bloqués et du coup, ça va remplir la file petit à petit et ça va arrêter d'en prendre. Donc, j'en aurai à terme plus qui iront sur la file du bas que sur la file du haut. Donc c'est déjà pas si mal. Hop, ça manque d'engrenage, pas trop grave. Hop, il y a des petits processeurs qui sortent, qui se fabriquent. Voilà, et du coup, bah là, comme j'ai rempli les queues, hop, ça va remplir aussi ici. Donc, toujours pareil, c'est pas plus mal. Alors.
les circuits verts. Hop, il faut faire le tour comme d'habitude. Ça arrive, hein. Hop. On va redonner à la chaîne. Provisionnement. Bon, c'est pas si mal. Bon, ok. Donc, au final, on a que 5. Après, vu les optimisations que j'ai fait, j'allais dire, je peux en fabriquer, je peux remettre des usines, mais en vrai, non. En vrai, non. Alors, après, je pourrais. Ouais, est-ce que je peux? Ouais. Puis là, alors. Là, on va demander un four électrique. Alors. Deux. Deux, ça suffira. Hop. On va passer comment? On va attendre. Quoique en vrai j'aurais juste pu faire ça hein. Tac hop. Ouais, il y en a un peu plus qui vont se fabriquer. Ah, hop. Trois fois de plus. C'est jamais perdu. Là, hop, on peut déjà accélérer la cadence. Tac. Tout petit peu plus qui arrive et par effet domino on fabrique un peu plus des éléments qui nous manquent. Hop, c'était quelques circuits, quelques convoyeurs rouges. Je peux le mettre aussi. Hein. Il va les servir. Hein. Tac. Donc là, de retour dans le monde des processeurs. Ok, là ça stocke du rouge. En fait, ça stocke tellement que ça va remplir la chaîne d'en haut. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que là on voit hein, sur la chaîne verte, le convoyeur du haut est en plein. Tous les circuits électroniques verts prennent la fibre du bas. Même si là c'est clairement mon facteur limitant. Et au moins ça avance un peu. Hop. Il y a du processeur, il y a du processeur. Tac, on tourne en bas. On est quasiment à 2 heures de live. Donc, par contre, circuler dans la base, c'est toujours de plus en plus compliqué.
On est à 48%. Alors, bientôt, bientôt la moitié. Et en 2 heures de live, on a réussi à faire une demi-fusée. C'est pas mal. Hein, il a fallu des années et des années dans la vraie vie pour concevoir une fusée. Là, on le fait en 2 heures. Je sais qu'on a vu pire. Hein. On a vu pire. 49%. Hop. Module arrive. Donc oui, donc ce qui se passe aussi, c'est que dès que ça c'est plein, enfin dès qu'on a 10 contrôleurs, oui c'est ça. Oui voilà, dès qu'on a 10 unités de contrôle de fusée, ça se remet à consommer 10. Puis ça avance quoi. 7, 8. Hop, on va suivre 9 et 10, les 50%, 9 et 10, ça se fabrique et pouf, 50%, 50%, parfait, pouf, ouais j'allais me dire, est-ce que je peux pas les fabriquer à la main ce qui manque, bah pff, bof, bof, ça va pas avancer les masses. Après, c'est vrai que là, on a tellement de potentiel. Après, là on a de la place, en vrai. Là, on a de la place. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est que... Hop. Ouais, tout à l'heure, j'ai dit oui, alors on n'est pas là pour reconstruire la base. Mais en vrai... Mais en vrai... Tac. Tac. Hop là. Et puis, hop, là, on va remonter. Ouais. Puis là, en fait, il nous en faut un. Tac, voilà. Bon, celui-là, on peut le laisser. Est-ce que j'ai toujours... Oui, je l'ai toujours, c'est parfait ça. Ok, là j'ai compris qu'il faut que j'en fasse en boucle. Ça, hop, on va le décaler de 1. Et puis ça, hop. Hop là, et hop là. Tac. Et tac. Hop, fait une sous-station électrique ici.
Là. Et maintenant, on trouve un moyen de... Pas être évident. C'est une idée. Toi, on va te décaler comme ça. Hop, pas pollué par contre. Alors non. Hop. Puis là. Tac, tu passes par en dessous, puis c'est bon. En fait, hop, on peut faire ça de toute façon. Ça n'a pas vraiment d'incidence. Alors, par contre, ce qu'on a besoin de faire, c'est le mélangeur qui est ici. Il faut qu'on accélère la plaque qui arrive. Il y a beaucoup trop de plaques qui arrivent par le bas. Et en vrai, ce serait plus comme ça en vrai. Tac, puis là comme ça on est quasiment à fond. Hop, puis là on a beaucoup plus de plaques qui arrivent, donc beaucoup plus de possibilités de faire des câbles de cuivre. Ah, j'ai un facteur de mi-temps. Ah, c'est horrible. Hop là. Qu'est-ce qui manque là? Et il manque toujours 3. Ah oui, d'accord, on a un qui fabrique rien. Ouais, ça s'écoule pas, donc là, ça peut peut-être valoir le coup d'utiliser notre Joku. Qui est de faire une deuxième usine à côté. Qui va nous faire donc des splitters rouges. Bleus, pardon. Hop, et qu'on va alimenter à la main. Il faut des engrenages, hein, bien sûr. Et hop, copier ça, mettre là. Voilà, ça permet d'en fabriquer à la demande, certes. Et il faut le faire à la main, mais au moins. Au moins, on a un peu ce qu'il faut.
Ok, et donc là maintenant on peut lui dire, mais en fait les rouges vont devenir des bleus. Tac. Et donc maintenant, si je suis. Ce chemin là. Hop, je peux tout passer en bleu par ici. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça tu passes en bleu, ça tu passes en bleu. Ça aussi. Alors, beaucoup de mélangeurs hein, quand même. Puis là, hop. Ça va pas être le lubrifiant qui va nous limiter clairement. Ok. Du coup, il en faut deux. Plus qu'un. Et il n'y en a plus. Bon, là c'est cassé et puis ils en ont plus en stock, mais c'est pas grave. Donc là, admirons notre œuvre. Bah, en fait, il faudrait vider. Ouais. Hop. Ça. Tac, ici, ici, on est souterrain, il reste en rouge, c'est pas grave. Hop là, hop. Hop, là on stocke. De toute façon, ils vont en fabriquer, hein, il n'y a pas de soucis. Comme ça arrivera un peu plus. D'accord, on est à 60. Parfait ça. J'ai combien de trains? J'ai deux trains. Là, on pourra en faire un troisième, je pense. Ah, c'est le carburant pour fusil là qui vient limitant. Ah, c'est les cubes noyés là. Alors comment ça va manquer de pétrole là? Ok, ça c'est bon. Pourtant il y a du pétrole là. Hein. Pourtant il y a zéro doute dessus, il y a bien du pétrole.
Putain, ça fabrique, ça fabrique. Ça fabrique tant que ça peut. Tac, 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 tac. Hop. Je vais remettre ces bleus là dans le circuit. Ça devrait aider un petit peu à l'effort de guerre. Ah, produire 500 processeurs par heure. Fait 500. C'est déjà pas mal là. Par contre, on manque vraiment de carburant là. Ah, c'est bête hein. C'est bête. Alors, je vais juste mettre un petit coffre ici. Un petit bras de chaque côté. On peut faire du stock. Hop là. Et pourtant, on a du pétrole. Hein. C'est vraiment... Ah, sortie pleine. Sortie pleine. Ah oui, parce que... Ah oui, d'accord, je comprends. On est arrivé à la situation inverse de tout à l'heure. Donc on va faire... Hop. Un petit passage souterrain. Tac. Et tac. Comme ça, on a de la réserve pour stocker du pétrole jaune. Non seulement on va les stocker, mais en plus, ça nous permet de débloquer. Voilà. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le problème du pétrole, c'est que quand les chaînes sont pleines, enfin, il suffit que une de ces trois chaînes là soit pleine et du coup il arrête d'en fabriquer, ce qui est un petit peu dommage. Là, du coup ça va repartir à fond les ballons. Du coup ça on fabrique, ça on fabrique. Petit cube noir. Hop, et on devrait plus être bloqué par ça. Bon. Au moins, ça nous fait des... Ça bloque pas l'arrêt, c'est pas plus mal. Hop, il y a du carburant filé qui arrive. Bah, dis donc, hein, pour lancer une fusée, c'est compliqué. Hein. On atteint vraiment les limites... de notre production quoi. Comme ça moi là tout tourne à fond, là il y a un peu de stock, là ça manque de lumière. Hop, alors, pendant que ça fait ça, hop, on va pouvoir aller Allez, on n'a pas besoin de vider toute la pierre. On va aller réparer ce qui manque. Tac, on le voit bien sur la carte. Ah, c'est quand même sympa hein, notre partie. À dire, tout
pas de soucis. Hop, on freine. On va aller à la dérivée, c'est pas grave. On est trop bas. Hop. Bon, le train, je peux le refaire repartir. Je prendrai le suivant là qui passe par là. Hop, 530 pétrole, il est plein. Ah, là, on est en semi-voie unique, hein, pour rappel. On va faire des petits dédoublements à gauche, à droite. Mais assez pour que... Puisqu'on a que deux trains, donc ça ne pose pas de soucis. Là, forcément, il y a un petit bouchon. Petit bouchon, bouchon. Ça va finir par se résorber. Il manque des engrenages. Hop. Je peux faire aussi ça. Hein. Enfin, je peux fabriquer le fer à la demande. Donc, en attendant, on a un peu moins d'écoulage de fer, mais c'est pas trop grave. C'est bon, il nous en faut pas plus. C'est bon, il nous en fallait plus, bien sûr. Et puis, regarde, on a deux plaques. Hop. Là, ça se remet en rayon. Alors, hop, ouais, je suis un peu indécis. Tac, on va refaire. Là, ce qu'on va faire, c'est juste que une deuxième sortie. Non, en vrai, ce qu'on va juste faire. Ouais, c'est les plaques de fer qui nous manquent. C'est quand on va mettre un splitter, tout simplement. Et hop, je peux faire ça comme ça, mais attends, je suis bête. Non, parce que, ouais, je peux juste faire ça, hein. J'ai pas besoin d'un souterrain, quoi. Ça, on a du stockage et puis on a une chaîne annexe.
peut-être renforcer juste là. Ah, puisque comme on a des tourelles laser qui se font un peu détruire par là-bas, pouvoir contrer ça. Puis on attend le train, puis on tournera la base. Ils sont tous coincés dans la bouche. Je crois qu'il y en a un qui arrive, ouais, je crois que c'est lui. Yep, c'était bien lui. Il m'avait pas l'air très vide en arrivant. Je me demande est-ce qu'il faudrait pas juste augmenter un petit peu le temps de la gare de déchargement. Il y a combien? 50 secondes. 60. Ouais, bah alors toi t'es pas plein. Ça bouchonne, ça bouchonne. Alors, on a déjà 69 parties de fusée. Ah ouais, mais en fait, ce qui bouchonne, c'est là-bas. Ce qu'on a besoin de faire, c'est ça. C'est peut-être fait de façon un peu bourrine, mais c'est l'idée. Bon, on n'a pas forcément besoin de d'augmenter le temps. Que tu peux me donner tous ceux qui sont dans le réseau. Là, je les recycle. Ah, ça avance là. Ok. Ça avance, ça avance. Sur la route 9. C'est vrai que je pourrais juste faire ça. Sans engrenage, 50 ça. Et sans plaque. Plaque. Comme ça, il prend tout ce qu'il y a et puis il convertit.
permettra en plus de s'auto-alimenter puisque quand il va faire les conversions, il va récupérer l'ancien, il va mettre le nouveau. Oh. Alors, bonjour. On est où? 72%. Alors, est-ce que on est toujours limité par... Non, ça c'est pas plein, donc ça, ça tourne à plein régime. Plus le fait qu'il est tout seul, il ne faut pas tourner pendant un petit moment. Non, ils sont deux. Ah, mais on a clairement un problème de capacité. Ouais. C'est pas très utile, mais on le fait quand même. Ouais. Bon, ça fait du mieux que ça peut, hein, clairement. Je vais dire on va vider les stocks, mais ouais ça sert à rien. Hein. Ouais, ça ne sert pas à grand chose. Ouais non mais puis là il n'y a plus de place hein, clairement. Clairement. Nous n'avons plus de place. Non. Donc, clairement, on n'en a plus. Sinon, bon, il faut que je le mette là. Alors, je pourrais, hein, ceci. Hein. Non, c'est pas si long. Pas assez long pour deux. Ah, maintenant on peut pas pour le premier, on pourrait. Faire un truc comme ça, quoi. Donc, je suis tombé complète avec des tuyaux comme ça, mais. On peut placer les usines, hein. C'est joli, hein, de placer les usines, hein. Et comment on les alimente? Ça, on sait pas. Ça, clairement, on sait pas. On pourrait juste enlever ces petits trucs. Hein. Ouais, on pourrait juste les enlever, quoi. Hop.
Il ne sert plus à rien. Hop, ton X est là, juste à faire ça. Non, pas celui-là, le rouge. Tac. On va faire bleu. Toujours pas quand on met le deuxième. Tac, toi tu vas prendre les combustibles. Et tu vas nous relever ça. Hop. Hop, ça permet d'en mettre deux de plus. Et alors pour lui, en fait, on va juste déplacer ça. Hein. Connexion de poteau électrique, je sais. Et là, on a libéré l'espace nécessaire pour copier-coller ces quatre-là. Bon, pas sûr que ça augmente des masses fabrication des carburants, hein, mais...
Oui, il y a ce qu'il faut pour, quoi. Du coup... Tac. 81%. 82 même. Pourquoi? Est-ce que tous mes robots sont occupés? Bah non. Je vais en faire mettre quelques-uns hein, si je veux. Non, c'est pas le bon. Tac. Ah oui, mais ils sont larges, quoi. Oui, bah alors lui, ok. Lui, il y aurait des robots. Ah ouais, mais là. Allez, prendre et couler le stock, là. Ah, ces engrenages, ça manque d'engrenages. Ouais, j'ai refait des robots. Après, il y en a 300 disponibles, hein, donc je pense qu'il devrait réussir à gérer. Quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une petite recherche là? Vitesse de déplacement des robots ouvriers. Ah, c'est toujours ça de prix. Toujours ça de prix. Après, on sent qu'il y a quelques manques. Hein. Il y a quelques manques. Mais ça avance, ça avance. Il est quasiment 18h. Ah, je pense qu'on arrivera à terminer. Je pense, alors je vais pas trop m'avancer, mais je pense qu'on arrivera à terminer. Parce que là, et on a combien? 84. Il faut encore 160. 6, 60. Voilà, il doit y avoir 40. 60, 120. Voilà, c'est quasiment bon. Ah, là, on commence à manquer de structure de faible densité. Ou 6, c'est parfait. Tout part en cacahuète. C'est faux. C'est pas parfait du tout, mais tout part en cacahuète quand même. Hein. Alors pourquoi j'en ai plus? Parce que ça manque une plaque de cuivre. Ah oui, parce qu'en fait, ah oui. Contre-coup. Aïe, 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 aïe. Ah oui, parce qu'en fait, je fabrique tellement de câbles de cuivre, parce que j'en ai besoin, qu'au final, ça ne suit plus. La production ne suit plus. Bah, pour l'instant on va faire ça hein. On va réalimenter à la main et effectivement est-ce que là allez on en manque clairement on en manque. Après, ouais, les chaînes du bas, ils sont toutes pleines et vides, hein, mais... Ouais, bon, c'est pas grand-chose, puisqu'on a déjà celui-là. Enfin, on fabrique de la plaque, hein. On fait ce qu'on peut avec de la plaque. Ah oui, mais comme aussi, j'ai lancé une recherche qui fait que... Ça consomme des éléments. Ouais, c'est pour ça qu'en fait que j'étais pas très
pas très très tenté par, par lancer des recherches. Ouais, bah désolé. Hein. Et puis en fait, comme j'ai tout converti là. Après, bon, on a besoin quand même. Hein. Alors, peut-être pas de tout ceci. Hein. Peut-être pas de tout. Ok, on va annuler les conversions. De toute façon. Déjà, mettre, juste convertir l'approvisionnement. Hop. En minerai de fer, ce sera déjà pas mal. Non. Hop là. Voilà. Ça, les ouvriers sont un peu plus rapides. Ça m'a aidé. Hop. Par contre, on ne va pas relancer une recherche. Hein, parce qu'on a bien vu les effets catastrophiques que ça avait. Alors, est-ce que j'en ai besoin d'autant? Non, je peux en avoir que 100. 100, j'ai... Ah. 100. Pas 30 000. 100. 100. Juste 100. Hop là. Ton truc. Ah, ça avance, ça avance. Ça, c'est cool. Pareil, là, bon. Je vais pas annuler toutes les conversions, parce qu'il y en a quand même qui sont pas mal, qui sont utiles. Mais au moins, ça avance. Ah, il nous faut un bras vert, par contre. Alors là, maintenant, c'est carburant et c'est clairement les structures de faible densité qui manquent. Hop. Ok, voilà. Donc, ça, cette file-là, elle est quasi remplie. Il n'y a plus qu'un qui tourne. Puis maintenant, c'est toi, quoi. Toi qui fais défaut. Ouais, c'est ça, hein, ça mange tout. Ça mange tout et puis il n'y en a pas assez qui arrive. Minerai de cuivre. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que là.
Ce truc là, il va se placer ici. Ouais, il faut que j'aille sur place, hein, clairement. Fabriquer un train. Hop. Tac. Puis on va essayer de débloquer un petit peu le compteur là. Tac, passe cuivre, de cuivre nord-est, hein, c'est censé être celle-là, temps écoulé 60 ou inactivité, temps écoulé inactivité 60 ou wagon plein, plouf. Là, on va construire la voie, ce qui va nous permettre d'en avoir deux. Hop. Bien visé. Je sors maintenant. Peu court. Ça, on va mettre ça là. Ah, oui, mais de toute façon, c'était bloqué. On va te reculer. Donc on va t'avancer. Hop. On va te réparer. Alors. Et là, carrément, ce serait mieux. Voilà. Alors du coup, toi tu peux aller vers la mine. Oui. Hop. On va faire un jeu de taquin. Toi, hop.
aucune mire. Hein. Oh, tu vas pas passer le feu à l'envers. Hein, toi tu y vas. Toi tu y vas. Voilà. Puis comme ça, on a tout ce qu'il faut. Ok, 60 secondes wagon plein, c'est parfait. Accélérer un tout petit peu la distribution. Voilà ce qu'on peut faire. Ça va bouchonner, mais c'est pas grave. Tac, tant qu'ils se remplissent. Plouf. Bon, ça bouchonnera là-bas, c'est pas grave. Et bon, au moins là, on passe à double voie. Ce qui devrait nous permettre d'accélérer un petit peu les arrivées de minerais de cuivre. Pareil, je pense qu'à la base, je vais attendre que ce soit bien rempli. Enfin, que, au contraire, les wagons de marchandises soient bien vides. Alors, est-ce qu'on avait assez pour en stocker deux? Finalement, oui. Hop, j'ai réussi manuellement. Ah non, c'est bon, j'ai réussi à le vider. Et toi, tu repars. Au suivant. Voilà. Oup. On va remettre un peu dans la file. Tu repars. Hop, les videurs, ils arrivent. Voilà, comme ça, moi, j'ai un peu plus de stock minerai de cuivre dans le circuit. Plus mal là. Alors du coup ouais c'est toujours faible machin là, qui nous met dans la panade. On va faire un bras vert. On les sorte plus rapidement. Voilà ce qu'on peut faire hein, juste. Parce que... ah, on peut le, on peut s'en occuper à la main. Tac. Si on prend un petit peu là, sur le tapis.
Si on va les faire à la main là. La structure va faire une densité, tu peux pas en stocker beaucoup. Hop. Ça se fait. Allez, les modules de vitesse à fond les ballons. Histoire de rattraper un petit peu le retard. Allez, on est où? Ah, quasiment 3 heures de live. Et on y croit, on y croit. 88% on y croit. En tout cas, le centre de fabrication, lui, il est au taquet. Dès qu'il reçoit les matériaux, là, bim, 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 il va à fond. Directement à la main, plus efficace. C'est clairement ça notre facteur limitant. Donc autant y aller, franchement. Monsieur. Tac. Allez, ça fait des parties de fusée en plus là. Hop, allez, on va le finir à la main, mais on va le finir. On va le finir. Tac. On est à combien là? On est à combien? 94. Allez, ça monte, ça monte. Alors clairement, hein, le aller à la main, c'est pas efficace sur long terme, mais on s'en fout. Parce que long terme, c'est 5% de fusée. C'est totalement rentable de faire ça, hein, clairement. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des plaques dans le réseau? Sur la route 102. Oh, allez. Ouais, qu'on peut aussi faire comme ça.
748, allez, bim. Parce que là, on est à 95%. Ah, je l'élimine là. Bon. Ah, que du coup, je pourrais juste faire. Hop, je reprends ce plus bas. Puis là, tu vas demander des plaques. Hop. Et donner tout à la caisse en haut là. 97%, on y croit. Hein. Touche le but. Ah, c'est les modules de vitesse qui ont commencé à manquer ici aussi, mais c'est pas grave du tout. Allez, hop, 98. C'est pas grave, hein, puisqu'on a largement de quoi faire pour finir. Quatre-vingt-dix-neuf, allez, quasiment. J'en remets au cas où. Et plus que 5 structures de faible densité, on pourra lancer cette fusée. C'est la fin du jeu. Enfin, la fin. Factorio, quoi. Donc, on pourrait continuer à tamer d'armes. Mais ça, c'est l'objectif qu'on s'est dit. En stream. 8. 9. Plus qu'un. Dernier. C'est bon, le dernier est arrivé. C'est en préparation. Waouh, la fusée est armée. Puis on va la lancer. Bien, peut-être pas rester à côté, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà la fusée. Fusée qui part. C'est une partie terminée. 45 heures. Il nous a fallu 45 heures. Et tuer beaucoup. Quoi? 60 000 aliens avant d'arriver là. Mais c'est bon, on a fini.
Au revoir à tous. Et ben, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. C'était Factorio, un jeu que je vous recommande vraiment. Donc, vous voyez, là, il y a un petit bouton continuer. On pourrait continuer, puisque en fait, le jeu n'a pas de limite. Ils ont juste mis cette histoire de fusée, histoire qui est quand même une fin. Mais on pourrait continuer, puisque maintenant qu'on lance des fusées, on peut avoir des potions blanches, qui sont des potions d'exploration spatiale, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on envoie une fusée, ça nous donne des kits de production des potions blanches. Voilà, et on pourrait continuer. Et en fait, on peut jouer à multi, on peut. Voilà. C'est quand même un très très bon jeu. Si vous êtes fan des jeux de gestion que vous ne connaissez pas, franchement, c'est un kiff. Hein, vous avez pu le voir durant tous ces streams-là. Quant à moi, bah, c'était mon dernier stream avant mes vacances. Donc, je vous donne rendez-vous au plus tard, mi-septembre, pour la suite. En attendant, vous pouvez follow la chaîne Twitch pour être notifié bah, de quand je reprendrai les streams. Vous pouvez follow la chaîne de replay, histoire d'avoir les de d'être notifié quand une nouvelle vidéo sort, puisque tous les streams sont sur la chaîne de replay. Et quant à moi, je vous souhaite un bon fin du mois d'août, une bonne rentrée si vous l'avez. Bon courage au travail si vous continuez à travailler et je vous dis à la prochaine. Ciao!